Bonjour à tous et bienvenue pour WWE Info, ici Julien pour Wrestling Football. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et aujourd'hui on va commencer avec les titres. Donc aujourd'hui on parlera des Total Divas, on enchaînera avec les résultats de WWE Main Event et enfin on terminera avec une information concernant le titre des États-Unis. Allez, on va commencer cette émission donc avec les Total Divas. Comme vous le savez, on embouse la télé-réalité hein, avec les Natalia, les Bella, les Summer Rae et également Eva Marie. Mais comme vous le savez, avec l'apparition de ces lutteuses à Raw, on craignait qu'un jour une diva de cette émission remporte le titre suprême. Mais il faut savoir que cela n'arrivera pas, car Vince McMahon aurait ordonné qu'aucune lutteuse de Total Diva ne remporte le titre féminin. Maintenant, le souci avec cette annonce, c'est qu'on a appris il y a quelques jours que Paige et Alicia Fox ont intégré le casting de l'émission. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi de vraies lutteuses viennent dans une émission aussi intéressante que la vie de Nabila n'en touche pas à un poste. Allez, on va enchaîner donc avec les résultats de WWE Main Event. C'est un show qui avait commencé avec une émission remaniée des amours, hein, où c'est JBL qui l'avait présenté et il accueillait donc les deux équipes de frères en concurrence pour les titres tag team, Goldust et Stardust et les Usos. Et c'est finalement les Usos qui ont gagné le show et pour terminer, ont expédié un super kick sur leurs adversaires du jour. Ensuite, on a eu un match qui opposait R-Truth à Tyson Kidd, c'était une revanche de la semaine dernière. Et on avait eu une victoire de Tyson Kidd suite à un neckbreaker et à un tombé. Il faut noter que le Canadien avait simulé une blessure durant ce combat. Ensuite, on a vu Natalya et Tyson Kidd qui se sont fait un gros câlin. C'était extrêmement mignon. On a enchaîné donc avec un match qui a opposé Big E Langston à Bo Dallas. Et c'est Big E qui l'a emporté avec son finisher, Love Ending. Pour terminer le show, on avait un match entre Seth Rollins et Jack Swagger. Et c'est un match qui a été remporté par Seth Rollins grâce à une intervention de Mercury et Noble, ses deux gardes du corps, et qui lui ont ensuite permis de porter son curb stomp afin d'enchaîner avec une nouvelle victoire. C'est ce qui a conclu le show. On va terminer donc avec une information concernant le titre des États-Unis actuellement détenu par Sheamus. Il faut savoir que il défendra donc cette ceinture pour le titre des États-Unis à Hell in a Cell et il devrait la conserver au vu des dernières rumeurs. En effet, il est dit que pour renforcer la haine des Américains contre le Rusev, la prochaine étape pour Sheamus serait de l'affronter et donc Rusev deviendrait champion américain. La rivalité devrait débuter après Hell in a Cell et ensuite avec un match au Survivor Series pour terminer cette rivalité finalement à TLC. Voilà, c'est la fin de ce début de l'info. Demain, on se retrouvera demain donc avec une nouvelle news où on parlera de Randy Orton, de WWE Raw et d'autres infos diverses. Voilà, merci de m'avoir suivi. À demain pour un nouveau début de l'info. C'était Julien pour Wrestling Football. Ciao tout le monde.